Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de la première saison des figures marquantes de notre histoire. Une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands personnages qui ont fait l'histoire du Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Or, ce soir, il sera question d'un personnage bien connu, Jacques Parizeau. Jacques Parizeau qui est né en 1930 et qui est décédé tout récemment en 2015, comme vous le savez. On peut dire que Jacques Parizeau est le fils d'une bonne famille bourgeoise qui a reçu la meilleure éducation possible. Une éducation qui va le mener au HEC au tournant des années 50 jusqu'à Londres où il va décrocher en 1955 un doctorat à la prestigieuse London School of Economics. Durant les années fastes de la Révolution tranquille, il devient un conseiller de l'ombre, un conseiller absolument incontournable de Jean Lesage, de René Lévesque, et il va laisser sa marque sur des réformes vraiment fondamentales, des réformes économiques, bien sûr, qui vont marquer la Révolution tranquille. À la fin des années 60, il devient un homme politique. Il sort de l'ombre. Il devient un homme politique, mais un homme politique pas comme les autres, qui se convertit à l'idée d'indépendance et qui devient une figure de proue d'un tout jeune parti, le Parti québécois, qui avait été fondé, comme vous le savez, en 1968. Lorsque ce parti prend le pouvoir en 1976, il devient un ministre économique incontournable, un ministre des Finances, président du Conseil du Trésor, et on peut dire que comme ministre des Finances, de 1976 à 1984, il a été aussi efficace que flamboyant. Il quitte la politique en 1984 pour des raisons de principe. Il y revient à la fin des années 80, 1988, pour diriger le Parti québécois. Et il va mener ce parti à nouveau au pouvoir en 1994, année où il devient donc premier ministre du Québec. Et pendant l'année qui va suivre, comme vous le savez tous et toutes, le Québec sera plongé dans une campagne référendaire passionnée et passionnante qui mènera à un résultat un peu dramatique, celui du 30 octobre 1995, une sorte de match nul. Alors, monsieur Parizeau a été un personnage qui n'a laissé personne indifférent. Et pour nous en parler, eh bien, nous avons invité son plus important biographe, qui lui a consacré 3 tomes qui ont été publiés au début des années 2000 et 1700 pages de textes imprimés. C'est dire que le personnage avait beaucoup de choses dans sa vie qui méritaient d'être racontées. Il a dépouillé des archives, il a rencontré énormément de gens. Il a donc tenté de cerner ce personnage complexe et important sur donc 1700 pages. Il a été pendant 25 ans journaliste à Radio-Canada, notre invité, et par la suite, il s'est lancé en politique. Il est devenu, sous le gouvernement de Pauline Marois, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Pierre Duchesne. Bienvenue. Bonjour. On prend place. Donc, Pierre Duchesne, vous avez consacré cette biographie, je l'ai dit, 1700 pages imprimées. J'étais tellement impressionné, je les ai presque comptées. Et vraiment, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous avez passé quoi? 7 années de votre vie, en oui. plus de votre travail de journaliste à temps plein. Oui. Vous avez consacré presque 7 années de votre vie à ce personnage. Qu'est-ce qui était le moteur? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est l'homme. C'est l'homme et ses idées. Sa franchise. Jacques Parizeau a toujours été l'homme du discours clair, la persistance dans l'action, l'intégrité et une conception de la politique qui est noble, une certaine noblesse. Il y a une noblesse chez l'homme, il y a une noblesse dans la façon d'exprimer ses idées. Et ça nous manque beaucoup par les temps qui courent. On connaît un peu les circonstances dramatiques de son départ de la vie politique. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir en face de vous un homme qui voulait régler des comptes? Non. Mais Jacques Parizeau, pour ceux qui le connaissent beaucoup, savent que c'est un humaniste et il croit à l'humain et il a une vision plutôt volontariste, assez positive de l'humain ou de l'homme avec un grand H. Alors non, pas du tout. Généreux. Moi, j'ai plutôt vu quelqu'un de généreux qui comprenait la nature humaine, qui comprenait les défauts, les bons côtés et qui cherchait plutôt à témoigner. Mm-hmm. Parce que moi, il faut voir que quand je l'ai approché, j'étais pas un personnage connu d'aucune façon. J'étais un jeune journaliste à la radio. J'étais pas sur la colline parlementaire. J'étais pas un journaliste politique. J'avais 32, 33 ans.
Mais Jacques Parizeau a toujours eu un préjugé favorable à l'endroit de la jeunesse. Oui. Et pour lui, il y avait là quelque chose d'intéressant. On s'est mis à travailler. Aviez-vous même le sentiment d'avoir un homme serein en face de vous? À ce moment-là, oui. Parce qu'on parle d'entrevue 97, mm-hmm. 98 et des années. C'est sûr qu'il y avait des blessures chez l'homme. Parce que Jacques Parizeau, c'est un gagnant. Et il a gagné une bonne partie de sa vie. Il a tout fait pour que les Québécois soient inspirés par la réussite. Puis je veux dire, l'aboutissement de tout ça, c'est le pays. C'est de s'affranchir d'un régime politique qu'il jugeait tout à fait étouffant. Alors, c'est sûr que de terminer sur une défaite, même si c'est une courte défaite, quand vous êtes un gagnant puis que vous perdez, ben vous n'êtes pas de bonne humeur. Puis vous ne triomphez pas. D'ailleurs, il me disait qu'il trouvait toujours un peu étonnant qu'on était souvent une nation des fausses victoires, tu sais, des défaites qui sont des victoires morales. Ben, il dit non. Il dit quand on gagne, puis on triomphe. Et quand on perd, ben, on a le droit de ne pas être de bonne humeur. Alors, ouais. Il y avait quand même une blessure chez lui. Alors, j'ai déjà entendu Jacques Parizeau citant un obscur roman des années 20 de Clément Vautel dire de lui « Je suis un affreux bourgeois », c'était le titre du roman, « et j'en suis fier ». Oui. Parlez-nous de la lignée de Jacques Parizeau pour comprendre l'homme, parce que c'est un personnage assez particulier, un Québécois, un Canadien-Français au départ, mais un Québécois assez particulier dans ses manières, dans sa façon d'être. Parlez-nous de la lignée Parizeau. Ben, c'est vraiment un bourgeois issu d'une famille bourgeoise, puis il en était fier. Parce que pour lui, la bourgeoisie, c'est une classe de société qui a l'habitude de l'argent, disait-il, et qui est capable de contribuer à sa société de par son savoir, de par des activités, et qui doit contribuer à sa société. Alors, il n'y avait pas là de rien de péjoratif, et il était fier de sa famille. Et son père aussi a écrit d'ailleurs un livre, « Joie et deuil d'une famille bourgeoise ». Oui, ici. Voilà. Et il en était fier. Alors, parce qu'il y avait son arrière-grand-père, Damas Parizeau, oui. qui a été dans les affaires, marchand de bois, qui a participé à la création de la Chambre de commerce, puis des HEC dans les années 20. Son grand-père, Télesphore Parizeau, qui a fait des études, est allé à Paris, a fait doctorat en médecine, est devenu chirurgien et a été doyen de la faculté de médecine à l'Université de Montréal. Son père, dont il était particulièrement fier, qui était agent d'assurance, mais qui a bâti son entreprise, qui en a fait une des plus grandes entreprises de courtage d'assurance et de réassurance dans le monde. Sodarcan, c'était à l'époque où il est décédé, au milieu des années 90, dans les 20e au monde, la 20e plus grande société. Alors, il était particulièrement satisfait de sa famille, des bourgeois qui s'étaient installés et qui avaient contribué à une certaine grandeur du Québec, ce qui n'était pas évident à l'époque, compte tenu de la société, puis de, je dirais, la mainmise économique qu'il y avait là, par une société anglo-saxonne. Vous avez parlé de son père, Gérard Parizeau, mais en tout cas, j'ai noté à quelques reprises, à la fin de sa vie, dès qu'on évoquait son père, il devenait très ému. C'est vraiment un personnage qui l'a vraiment marqué. Vous racontez d'ailleurs une anecdote, quand il est ministre des Finances, on en reparlera. Mais son père, en quoi son père a eu un rôle si important dans son développement, diriez-vous, intellectuel ou dans sa manière de voir le monde? Bien, Jacques Parizeau a dit je vivais dans une famille avant de vivre dans un pays. Compte tenu qu'on sait par la suite à quel point le projet de pays est important, ça révèle à quel point la famille, pour lui, a tout construit. Puis il disait, à l'époque, je faisais des études, il y avait la bibliothèque, le collège Stanislas, mais j'avais accès à la bibliothèque de mon père, qui était très généreuse. Et donc, son père a toujours été un modèle. Et son père, qui était lui-même, qui avait été au HEC, s'est assuré qu'il puisse aller au HEC. Et ensuite, l'a encouragé à aller faire des études à l'extérieur, et à Londres en particulier. D'ailleurs, M. Parizeau, père, ils ont eu trois fils avec son épouse, Germaine Biron, Mme Parizeau. Et les trois fils, c'était une des pensées du père, c'est de s'assurer qu'ils aillent faire un tour vers Londres, dans leur stage ou leurs études, parce que lui-même était d'assurance et savait qu'il fallait aller par Londres, il fallait aller dans la société anglaise pour être capable de s'affranchir d'une certaine situation. Parce que les Canadiens français étaient dans une situation de soumission. Et c'était une façon de s'affranchir. Et Jacques Parizeau, ça a beaucoup remercié son père de ce passage. Et Jacques Parizeau en a d'ailleurs
appris l'anglais avec un accent british parfait. Oui. La moustache est apparue à ce moment-là, le complet trois pièces, des souliers noirs et tout. En tout cas, il a bien adopté l'uniforme. Parlez-nous aussi de sa mère, Germaine Biron, une femme, une femme forte. Oui, parce qu'il faut en parler de sa mère, parce que des gens de la famille, de très près, me disaient que s'il y avait un côté austère chez Jacques Parizeau, ça venait du père, mais tout le côté très assumé, décidé, fonceur, venait aussi beaucoup de la mère. Germaine Parizeau, qui était une féministe pour son temps. Une amie de Thérèse Cazerin, oui, dont on a parlé. Oui, ils sont allés parader au Parlement pour demander le droit de vote pendant presque 10 ans. Hein, ça ne comprenait pas vite là-bas. Et alors, c'était une féministe qui, en plus, avait une façon de... qui voyait la religion clergé catholique avec beaucoup de méfiance. Parce que même, on dit qu'au moment du mariage, elle n'a pas voulu dire là, les mots traditionnels du moment, en tout cas, les a mâchouillés. Alors, c'est une femme de tête, puis qui s'est assurée avec son mari qu'il puisse aller au collège Stanislas, qui était un collège laïque. Alors, replacez-vous dans les années 30, c'est quand même un choix. Parce qu'on baigne là, dans le catholicisme avec tout ce que ça veut dire. Alors, sa mère a été très influente et jusqu'à la fin. Et donc, c'était deux. Le père et la mère étaient impliqués au niveau des... D'ailleurs, il y avait toutes sortes d'anecdotes parce qu'à un moment donné, lorsqu'elle inscrit son fils au collège Stanislas, elle dit à une autre mère, Mme Choquette, parce qu'il va y avoir M. Choquette qui va être ministre de la Justice des années plus tard de M. Bourassa, et elle lui dit, « Mon fils va tous les dépasser. » Alors, vous voyez un peu le genre de maman que c'est. Oui, très chauvine. Oui. Parlez-nous un peu du genre d'élève qui était Belette Vibrante, qui était son nom de scout. Oui. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Belette Vibrante était le... Comment on dit ça hein, pour le langage scout? Le totem. Voilà, oui, merci. Oui. Le totem de Jacques Parizeau. Quel genre d'élève était-il? Ben, c'était un élève qui, très jeune, avait un regard très perçant, qui était très concentré, et qui n'a pas au début été là, tout de suite première classe. Hein? Des gens qui ont été avec lui, même j'ai rencontré certains de ses vieux professeurs qui sont morts aujourd'hui, dont le professeur Boulizon, qui me racontait que plus les années avançaient, plus il s'est développé, il s'est révélé, et il a dépassé les premiers, puis il est devenu un étudiant excessivement talent, qui s'exprimait avec beaucoup de brio. Mais M. Boulizon disait qu'il avait un regard et qui pouvait intimider certains professeurs. Puis il posait des questions, déjà très jeunes, constamment. Là, on sait qu'on, tous ceux qui ont eu des enfants savent que c'est une vilaine manie des fois chez certains jeunes enfants. Bien, lui, il en faisait partie. Oui. Il était particulièrement coriace là-dessus. Mais aussi, à un moment donné, au niveau du grec, il ne voulait pas apprendre le grec. Puis le professeur était le préfet de discipline aussi, c'était assez dur. Fait qu'il a bloqué. Et puis là, il y a eu 1 ou 2-0, puis à la maison, ça a très, très mal réagi. Oui. Et rapidement, il est devenu un très bon élève. Oui. Donc, il avait quand même du caractère. Bien, vous parlez du caractère. Ici, j'ai une belle anecdote qui est racontée par justement Gérard Parizeau dans son livre sur « Joie et deuil d'une famille bourgeoise, 1867-1961 ». Alors, il raconte, Gérard Parizeau, que son père Télesphore trouvait qu'il laissait trop parler ses enfants à table, que ça distrayait les adultes pendant qu'ils étaient à table. Et là, il dit la chose suivante, Gérard Parizeau. J'arrivais du bureau, la tête grosse de soucis, endolorie, et il me fallait me prêter à des discussions sans fin. Mais quel service nous leur avons rendu ainsi, Germaine et moi, en leur apprenant à avoir des idées et à les exposer. Beaucoup plus tard, je me rappelle qu'un jour, nous discutions de la question de la Syrie. On est en 1942. Je disais, sans me douter que mes prédictions se réaliseraient, les Anglais ont tort de vouloir bouter les Français hors du Proche-Orient. Cela leur reviendra sur le nez comme un boomerang. Jacques m'écoutait, puis il me dit, « Papa, je ne voudrais pas être désagréable, mais tes idées me semblent un peu sommaires. Pour moi, les Anglais ne sont pas assez imprudents pour faire une chose pareille. » Il avait 12 ans. Jacques Parizeau, à 12 ans, qui avait des réflexions sur la Syrie. Et tant qu'à y aller sur des citations, moi, j'en avais noté une de la mère qui s'attache bien à ce que vous venez de dire. Elle l'écrivait ou elle disait « Ce n'est pas en élevant ses enfants dans l'humilité et la résignation qu'on en fait des hommes. » Alors,
Elle était le père aussi. Hein? Il s'agissait, il y a une très belle citation que j'ai retrouvée, parce que le père a beaucoup écrit. Il a écrit des pages de journal, que ça s'appelle, c'est 12 volumes, où c'est un peu sa vie, puis la vie de sa famille. Et puis il raconte comment il faut bien former ses garçons, une indépendance d'esprit solide, comme ça on va en faire. Il avait beaucoup de réflexions sur l'éducation, Gérard Parizeau. Alors donc, il va ensuite aller à HEC Montréal, il va suivre les traces de son père. HEC Montréal, un mot, c'est une institution importante pour cette bourgeoisie canadienne-française. Un mot sur son importance. Oui, mais ce n'est pas ce que c'est devenu par la suite. Ça commence, il y a peut-être 125 élèves, c'est né en 1920. Il 1907. Je pense, c'est ça, officiel. De la première cohorte. Et il est là vers la fin des années 40, 48, 49. Donc, c'est une institution naissante. Oui. École de commerce, c'est audacieux pour l'époque parce que le commerce, l'économie, c'est les anglophones. Donc, on essaie. Et là, il y a un professeur important, François le Béranger, qui est un des rares économistes du Québec français, des Canadiens français, disait-on à l'époque, et qui voit, il voit ce regard d'ailleurs très, très lumineux de Jacques Parizeau, qui pouvait faire peur peut-être à certains professeurs du primaire, et il dit, il est très brillant et il faut qu'on l'encadre et il fera partie, c'est tel rêve de François le Béranger, parce que j'ai réussi à l'interviewer avant qu'il décède. Et il disait, je voulais, moi, à l'époque, créer une phalange, donc 5-6 économistes canadiens-français qui allaient aider à éclairer la société, le gouvernement, pour qu'on puisse faire éclore une société plus libre. Et il avait vu en Jacques Parizeau cet élève, donc il l'a pris sous son épaule, il lui a permis ensuite d'aller en Europe, parce qu'il y avait un salaire de professeur en même temps qu'il y en a en Europe, ce qui était un privilège, mais c'était un des trucs administratifs qu'ils avaient. À l'époque, c'était Maurice Duplessis, le premier ministre, qui permettait ce genre de choses pour aider à avoir un petit groupe, une avant-garde économique. Mmh. Sauf qu'une fois en Europe, François Albéranger veut un doctorat français. Et Jacques Parizeau va à Londres. Alors, pourquoi ce choix de Londres et comment ça, c'est encore alors, Angers, on comprend son choix, hein? Canadien-français, donc il dit ça va venir de la France, ça va être encore plus facile. Et non, Jacques Parizeau conçoit déjà que lorsqu'on parle d'économie, lorsqu'on parle de tout ce secteur, c'est l'Angleterre, c'est Londres, et l'influence du père agit fort possiblement là-dessus. Et j'ai accès, parce qu'il écrivait, vous avez lu tout à l'heure une lettre aux parents, mais il a écrit beaucoup de lettres à ses parents. Et il écrit aussi des lettres à François le Béranger. Et là, on voit le jeune homme qui, en plus, a un salaire de professeur. Donc, il y a un peu un rapport de soumission avec le professeur. Mais malgré ça, il exprime dans ses lettres ses opinions, sa logique. Et il y a 3 ou 4 lettres. Il y a un échange de lettres. Imaginez, c'est assez long à l'époque pour que les lettres traversent l'Atlantique. Et François le Béranger insiste. Mais le jeune étudiant insiste à nouveau, puis dit non. Alors finalement, il va avoir quand même un diplôme français, mais va aller faire un autre doctorat en Angleterre à la London School of Economics. Mmh. Donc, il revient au Québec en 1955, dans un Québec dont il n'apprécie pas nécessairement l'atmosphère. Ah ben là, ça, il faut dire, il ne voulait pas revenir. Ouais. Et François le Béranger lui avait dit, très bien, on vous paie, vous allez là-bas, mais vous revenez après, parce que toujours le rêve d'Angers d'avoir ses... Et là, il me disait, puis il a dit à d'autres, il dit, vous savez, je n'avais pas signé de contrat. C'était un engagement verbal, c'est un engagement moral que je revenais. Et là, je me suis aperçu que je ne pouvais pas contrer ou aller contre cet engagement-là parce que je voulais rester à Londres. Il y avait un chemin, un beau chemin qui s'ouvrait à moi. J'aurais été professeur, j'aurais fait le tour des grandes universités du monde. J'avais un entourage depuis Londres qui m'aurait permis d'être un professeur je me serais investi dans l'enseignement. Mais il dit, je ne pouvais pas. J'avais un engagement avec François le Béranger et je suis revenu. Et il revient d'un Québec qui, à l'époque, n'est pas du tout intéressant pour lui. C'est un Québec, moi j'appelle ce chapitre-là le retour dans le royaume des dominés. Puis c'est les années 50, c'est Maurice Duplessis, c'est étouffant pour Jacques Parizeau. Mm. Et en plus, il revient dans une société où le Canada anglais domine. Là, en termes économiques, il voit bien que ce n'est pas évident. Une illustration de ça, c'est que l'université, les HEC, lui permettent de diriger la revue L'Actualité économique. Et il vend des abonnements à des universités du monde, puis au Canada, aux États-Unis. Et il essaie d'en vendre à McGill, puis McGill ne veut pas. Merci, McGill ne veut pas.
Alors il dit, très bien, il dit, on va vous le donner. Vous n'avez pas acheté l'abonnement. Et McGill lui dit non. Il dit, on va vous le mettre sur un présentoir. On n'a pas de place pour les présentoirs. Alors, il me racontait cette anecdote, mais pour lui, ça faisait partie du mépris d'une certaine partie de la société, parce qu'à l'époque, il est fédéraliste. Il faut bien comprendre qu'il est fédéraliste. Ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas Maurice Duplessis, c'est ce qui se fait à Ottawa. Les grandes mesures sociales, les grandes mesures économiques sont entreprises à Ottawa. Alors, le temps file, sautons aux années 60, la Révolution tranquille. Comment, parce que là, il devient professeur à HEC, il fait sa place. Très bon professeur, les étudiants oui, sont... Oui, il est impressionnant. Certains d'abord, oublient de prendre leurs notes parce qu'ils l'écoutent. Au départ, puis, il a presque le même âge que les étudiants. Il est très jeune, 25 ans à peine. Oui. Là, il trouve le moyen, puisque c'est quand même pas ses réseaux naturels, mais il trouve le moyen de devenir très rapidement un conseiller clé de Jean Lesage. Comment, en gros, s'y prend-il ou comment les circonstances se présentent-elles pour qu'il puisse jouer ce rôle? Alors c'est un espace d'oxygène pour Jacques Parizeau parce qu'il aime bien l'enseignement, mais il voit bien les limites dans le Québec des années 50. Arrive les années 60 et là, c'est l'éclatement, c'est une révolution tranquille. Il est aspiré par cette révolution-là et il entre comme conseiller économique. Il y a le Conseil d'orientation économique qui est une espèce de comité d'idées. D'entrée, ça. Oui, c'est ça. Il rentre là et ça sert à alimenter les différents ministères sur différentes initiatives. Alors, il va diriger avec d'autres le comité de la sidérurgie parce qu'à l'époque, on se dit qu'il faut qu'il y ait de l'acier canadien-français parce que dans les colonies en Afrique et ailleurs, on a pris contrôle de ça puis ça va nous libérer. On travaille là-dessus pour essayer d'avoir une sidérurgie québécoise. Ça va être difficile, il n'y aura pas grand succès. Il va ensuite être sur un comité qui va créer la Société générale de financement, qu'on appelle aujourd'hui Investissement Québec. Puis, c'est René Lévesque qui lui permet finalement... Oui, c'est ça. Il y a un dimanche d'avril 1962, il reçoit un coup de téléphone, presque un voisin, René Lévesque l'appelle. Oui. Parce qu'il avait demandé à André Marier, René Lévesque qui est ministre dans le gouvernement de Lesage, il veut nationaliser, enfin acheter les compagnies d'électricité. Puis là, il dit à André Marier, qui travaille dans son cabinet, quel est le meilleur économiste, à l'époque, on disait canadien-français, qu'on a? Et Marier savait, parce que des gens se parlaient et tout, il dit Jacques Parizeau. Il dit, c'est un jeune, là, il est professeur des HEC. Puis, bon. Alors, il l'a fait venir à la maison et il lui a dit, j'aimerais que vous me disiez combien ça va coûter d'acheter des compagnies d'électricité. Puis, il a remis des documents et vous avez un mois, quelque chose comme ça. Et Jacques Parizeau est parti avec les documents et a demandé à deux professeurs des HEC de l'aider. Et ils ont préparé l'évaluation du coût, la valeur des entreprises, 300 millions, 600 millions avec les dettes. Et c'est un document qui a servi pour René Lévesque, pour nationaliser. L'étude, qui comprenait à peu près une quarantaine de pages, a coûté 1 800 $, si vous dire. Pour trois personnes qui travaillaient là-dessus. C'est pas mal, c'est raisonnable. j'ai plein de blagues qui me viennent en tête, mais je vais les garder pour moi. On attribue souvent, certains disent à tort, hein, mais on attribue souvent la paternité de la Caisse de dépôt et de placement à Jacques Parizeau. On va dire qu'il a été vraiment l'une des chevilles ouvrières, que c'était en gros son idée. Un, est-ce que c'est vrai d'après vos recherches? Parce que vous avez un chapitre sur ces questions très fouillé. Et quelle était l'idée derrière ça, de son point de vue, du point de vue de Jacques Parizeau, du point de vue aussi de l'espèce de bourgeoisie qu'il incarnait des HEC plusieurs générations? Il y a toujours beaucoup de personnes derrière une réalisation comme la Caisse de dépôt et placement, bien sûr. Et il y avait des équipes qui travaillaient là-dessus. Alors, il y avait une équipe qui était dirigée par André Marier, encore lui, un homme plutôt effacé, mais d'une efficacité redoutable, un nationaliste, un indépendantiste avant l'heure. Lui travaillait avec un comité, le comité de Wheeler-Dupont, sur il fallait, puis c'était dans le programme du Parti libéral de Jean Lesage, il fallait trouver une façon qu'il y ait une caisse de retraite, parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas de fonds de pension arrivant les vieux jours. Donc, la Régie des rentes du Québec. Voilà, il fallait qu'il y ait ça. Mmh. Et André Marier et d'autres ont travaillé sérieusement là-dessus. Et Jacques Parizeau, lui, se disait, parce qu'il avait été alerté
de par son père, qui lui rappelait que Maurice Duplessis, à un moment donné, avait perdu le pouvoir après son premier mandat parce que le gouvernement fédéral et tout, on avait serré les goulets, on avait serré un peu les cordons de la bourse, puis il y avait eu un syndicat financier qui avait exercé un chantage. Il revoit l'ombre de cette bête, ce syndicat financier, lorsqu'on essaie de nationaliser l'hydroélectricité, le milieu financier anglo-saxon ne veut pas, menace de ne pas prêter d'argent à l'État. Et là, Jacques Parizeau, il dit qu'il faut quand même qu'on regarde quels sont les fonds qui existent. Parce qu'il y avait toutes sortes de fonds liés à l'État québécois. On va regrouper les fonds, puis avec ça, on va s'en servir pour avoir une masse d'argent qui va prêter au gouvernement. Comme ça, l'État ne sera plus entre les mains d'un seul organisme, d'un banquier, qui est le syndicat financier, mais aura une caisse à côté qui va aussi pouvoir passer à l'État. Donc, on va créer une concurrence et mettre fin à un certain chantage. Donc, un fonds des fonds. Et Jacques Parizeau a réfléchi à ça. Et vous aviez la Régie des rentes, donc, qui était une autre caisse. Et ce fonds des fonds est devenu la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et donc, il est vraiment l'architecte de cette idée. Et il a poussé fort pour que la Caisse de dépôt puisse faire des investissements audacieux, alors qu'il y avait une vision plus conservatrice d'un autre côté, où on disait que des obligations et tout. Lui disait qu'il faudra investir dans des actions, il faudra aller acheter des entreprises, il faudra appuyer des entrepreneurs. Il y avait toute cette vision derrière la Caisse de dépôt et placement, un organisme qui est un des 20 ou 30 fonds souverains, plus importants fonds souverains dans le monde, là, oui, dans les grandes caisses. Parce qu'encore aujourd'hui, par rapport à la caisse, on s'entend, et là je fais ça très rapidement, mais il y a comme deux perspectives. Une perspective où on dit c'est un bas de laine, on doit le faire fructifier. Il y a une perspective plus interventionniste, et Jacques Parizeau était de cette deuxième école. Ah oui, absolument. Et quand il a été ministre des Finances, ça s'est manifesté. J'appelais ça la deuxième phase, si vous voulez. Ouais. Lorsqu'il est ministre des Finances, donc des années après, il a écrit les plans, on a commencé à mettre ça en place, et là, il a donné une poussée. Il est allé chercher Jean Campeau, il dit « tu vas diriger ça », puis intervention, alors on a acheté Domtar, on a fait des opérations avec Noranda, on a acheté Provigo. C'est devenu une institution tellement menaçante pour le Canada qu'à un moment donné, il y avait une opération avec Paul Desmarais pour aller acheter des actions du Canadien Pacifique. Et là, l'establishment canadien-anglais a dit non, là, c'est trop. Les chemins de fer, hein, au Canada, c'est à l'origine. Symboliquement, c'est. Bon. Et là, les sénateurs ont tenté d'adopter un projet de loi S31 uniquement pour contrer la Caisse de dépôt. Alors là, il y avait une illustration d'un Québec qui se déployait économiquement et Jacques Parizeau était derrière ça. Le Sénat a remballé son projet de loi parce que après ça avait été une présentation flamboyante de Jacques Parizeau, d'ailleurs. Oui, qui est allé là-bas avec des présidents de sociétés d'État pour dire « nous avons le droit, nous sommes capables ». Et Paul Desmarais a retiré parce que l'idée, il y avait un transfert d'actions. Et Paul Desmarais, quand il a vu ça, il a dit non, OK, je ne ferai pas le deal avec la Caisse de dépôt. Mon intérêt est avec le Canada anglais. Puis, le deal n'a pas eu lieu. Mais c'était d'une grande opération. Puis vous parliez des scouts tout à l'heure, là, ceux qui ont été avec, dont Jacques-Yvan Morin et d'autres, me disaient il aimait les grands jeux scouts. Il aimait mettre en place ces opérations. Et là, on était dans un jeu d'adultes. D'accord. Vous utilisez l'expression dans votre biographie. Au fond, que ce soit la SGF, que ce soit la Caisse de dépôt, plus tard peut-être les régimes d'épargne-action, l'idée de Jacques Parizeau, c'était la charpente financière. Vous utilisez ce terme, une charpente financière. Expliquez-nous un peu, c'était quoi cette visée au juste? Bien, pour Jacques Parizeau, l'économie sert à une société. Et l'économie sert aussi à rassurer des gens, à permettre aussi qu'il y ait, pour son projet, qui est celui d'un pays, de s'assurer qu'on mette à l'abri une nation contre le chantage financier. Et il avait un niveau de préparation remarquable pour le référendum de 1995. Certains appelaient ça le plan O pour plan obligation. Il y avait des milliards de mis de côté avec la Caisse de dépôt, qui était une utilisation qu'il avait envisagée, avec le ministère des Finances, avec Hydro-Québec, avec les banques québécoises, il y avait 50-60 milliards à l'époque qui étaient en liquidité et qui devaient maintenir les titres québécois s'il y avait une tentative de spéculation. Alors ça, c'est le bout d'une logique
que Jacques Parizeau avait conçu déjà. Mais avant même d'être indépendantiste, en fait, c'était une idée que le Québec se donnait. Ben, ça l'a amené à l'indépendance. Oui, oui, parce oui, que c'est ça, à la fin des années 60, il crée des institutions avec René Lévesque, avec le gouvernement de M. Lesage, avec le gouvernement de Daniel Johnson. Et là, il s'aperçoit que. Il me disait, il dit, je suis d'accord avec Pierre-Éliott Trudeau. Il dit, il y a une capitale, mais on n'est pas d'accord sur à quel endroit elle est. T'sais? Alors, pour Jacques Parizeau, la capitale était à Québec. Et pour Trudeau, elle était à Ottawa. Mais là, il dit, on a deux États. On a deux moteurs. Puis si on veut faire une planification cohérente, bien, il va falloir que le Québec se détache. Et là, il est devenu indépendantiste par une logique économique. Il a découvert plus tard le territoire, la nation, les arts. Ça l'a beaucoup touché. Mais au départ, c'était une logique plus cartésienne économique. On peut dire, on dit souvent qu'il a été, justement, vous l'avez dit dès l'introduction, ça n'a pas été un politicien tout à fait comme les autres. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Vous dites dans votre biographie, quand on fait de la politique, on peut retenir les services d'un bon rédacteur de discours, d'un bon conseiller technique, mais il y a une chose qu'on ne peut jamais acheter, c'est le caractère. Oui. Lorsque vient le temps de prendre une décision. L'esprit de décision. Il le disait. Ça, j'avais trouvé ça parce que quand j'ai fouillé, j'avais retrouvé aussi de vieilles émissions à la radio de Radio-Canada que j'ai réécoutées. Et il disait ça. Je trouvais ça tout à fait remarquable. Alors, on peut acheter un bon conseiller. On peut acheter des économistes. On peut faire des études. Mais la capacité de décider, le courage de trancher, ça, c'est le leader qu'il porte. Et Jacques Parizeau portait ça. Le slogan de la devise du Collège Stanislas, c'était « sans peur et sans reproche ». Il l'a bien mis sur sans son... peur et sans reproche. Ouais, il l'a bien mis il sur y avait aussi une vision de l'homme ou du personnage politique, c'est-à-dire, le personnage politique, il y a deux conceptions. Il y a celle qui dit « je vais voir où le peuple est rendu, puis je vais essayer de le contenter, si vous voulez, c'est une conception possible », ou sa conception à M. Parizeau et à d'autres, ils disent « non, il faut aller par là-bas et qui même me suit hein? ». C'est une conception très volontariste. Mais en même temps, jamais reprocher au peuple qu'il ne suit pas. Ça, c'est très important. Parce que pour lui, il dit, si on reproche au peuple qui ne nous a pas suivis, ce n'est pas le peuple, c'est à l'élu, c'est à celui qui fait de la politique, d'amener les gens. S'ils ne viennent pas, c'est de notre faute. Ce n'est pas de la faute des gens qui ont une vie que dans le quotidien, qui doivent arriver au bout de leur jour, élever des familles, travailler et tout. Alors ça, pour Jacques Parizeau, c'était clair. Et... sa conception de l'action politique était ancrée là-dessus. Puis, il s'indignait contre les manipulations à l'endroit des gens ordinaires. Mmh. Le coup de la Brinks, pour les plus jeunes, il faut raconter, c'est pendant une élection en 70, des camions de la Brinks sont venus, on a mis des papiers, des titres, puis on a dit les camions s'en allaient à Toronto parce que le Parti québécois pouvait prendre le pouvoir. Et lui, il dit c'était une opération ridicule. Il dit on pouvait s'allumer une cigarette avec ces papiers-là et tout. Mais il me racontait ça avec tellement de colère parce qu'il dit on fait croire ça à des gens qui vont avoir peur et tout. Et là, lui voulait absolument déconstruire ça. Fait qu'il y avait, parce que Jacques Parizeau, on n'en a pas beaucoup parlé, on en a parlé au début, mais c'est avant tout un professeur. C'est un pédagogue. Puis il était fier d'être bourgeois, mais il était surtout fier d'avoir été enseignant. Et pour lui, il fallait enseigner. Il fallait expliquer. Et c'est pour ça qu'il était populaire chez les très jeunes. Non seulement il était franc, et c'était un homme d'action, les plus jeunes aimaient ça quand il allait dans les universités et cégep, mais c'est un excellent pédagogue. Il l'expliquait, il prenait le temps, il était posé, il était un bon conteur. Donc, il y avait un attachement naturel avec les plus jeunes. Vous avez parlé du coup de la Brinks. En lisant votre biographie, il y a deux choses qui m'ont frappé sur le Parizeau d'avant la prise du pouvoir. Premier élément, je dirais, une sorte d'obsession pour toutes les questions de sécurité. On a l'impression qu'il est un des seuls qui s'intéresse aux enjeux de sécurité, de renseignement, qui nous surveille et tout ça. Puis la deuxième chose qui m'a frappé, c'est le côté terrain. Il faisait beaucoup de terrain, tout bourgeois qu'il était. Il ratissait le Québec. Vous insistez sur ces deux... Oui. Bon, ben, sur les espions, sur les... Oui. Il y a bien eu raison par la suite, parce qu'on s'en est aperçu. La GRC avait mis des micros, ils ont volé la liste du PQ en 73. Bon, tout ça, mais il a fait rire de lui au début. Et il disait, on ne peut pas dire à un pays qu'on va changer ses frontières, on va en faire un autre, puis s'imaginer qu'ils vont nous laisser faire. Et ne soyons pas trop naïfs.
il y aura. Puis, donc, il y avait des militaires qui l'appelaient. Il avait commencé à bâtir un petit réseau d'informations pour voir venir. Pour le terrain, ben, il a toujours été, je ne sais pas si c'est son passé de scout, mais il a fait le terrain. Puis quand il était chef de l'opposition officielle et premier ministre, ça impressionnait beaucoup des agents de liaison du Parti québécois parce qu'ils recevaient des fois un coup de téléphone de ces agents de liaison à Gaspésie, puis ça revient un coup de téléphone de Jacques Parizeau. Ça impressionnait pas mal. Il n'y en avait pas d'autres chefs qui avaient fait ça. Et il dit, j'ai découvert, c'est le Parti québécois qui m'a permis de découvrir le territoire québécois et les Québécois. Il fait des tours en Renault 5 dans les années 70, un peu partout. Et ça... Ça lui a permis de découvrir, c'est là que son nationalisme est devenu un peu plus senti avec les humains, la culture, les arts. Il avait plus seulement la dimension économique chez lui. L'autre chose qui est frappante, c'est que le Jacques Parizeau post-95 ne s'est pas gêné pour critiquer ses successeurs, à tort ou à raison, mais autant il a été critique de ses successeurs, autant il a été loyal à l'égard de René Lévesque. Jusqu'à défendre des fois des positions avec lesquelles il était plus ou moins d'accord. Notamment le fameux budget de l'an 1 en 73. Oui, oui. Il y a trois maîtres chez Jacques Parizeau. Bien sûr, son père, François le Béranger, dont on a parlé, et René Lévesque. René Lévesque était un petit peu plus âgé que lui. Et il reconnaissait chez Lévesque ce qu'il n'avait pas à l'époque chez lui, c'est-à-dire la capacité d'établir un rapport émotif avec les Québécois. Il disait, il avait utilisé une très belle image, il dit Jacques Parizeau, il dit René Lévesque parle au cœur, moi je parle à l'estomac, puis c'est l'idée d'avoir une justification économique du projet. Et donc, il admirait Lévesque pour sa capacité, puis il avait réuni des gens de différentes tendances autour d'un projet, et ça, il admirait ça chez Lévesque. Alors, la cassure sur le beau risque, parce qu'à un moment donné, René Lévesque a dit, après l'échec du référendum, du premier référendum de 80, dit, on va essayer un beau risque avec Brian Mulroney qui vient d'être élu au Canada. Et ça, il n'a pas accepté, il a démissionné. Il était ministre, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir démissionné. Mais quand il me racontait ça, il avait toujours des mots respectueux pour René Lévesque. Puis, mais il dit, écoutez, il dit, quand le pape ne croit plus à sa religion, les évêques s'en vont. Et ils se sont. Quand René Lévesque est mort, le 1er novembre 1987, il y a une très belle scène où il marche dans son appartement, il apprend que l'ambulance est allée le chercher, puis on ne sait pas trop. Et il appelle Yves Michaud, puis il dit as-tu écouté la télé? Oui, 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 oui. Puis là, Michaud me raconte, il dit je comprends qu'il veut que j'aille le chercher. Parce que Jacques Parizeau ne conduit plus. Qu'il va le chercher, ils vont faire les 100 pas dans le corridor, ils vont voir Corinne Côté-Lévesque un peu au loin, ça va s'arrêter là. Et là, il me raconte ça, mais il y avait comme une volonté, quand vous parliez du terrain, là, d'être prêt, et là, il voulait être prêt physiquement. De l'événement de René Lévesque. Aussi, mais de l'homme. Ouais, mais de René Lévesque aussi. Mm. Et il en a toujours gardé. Pour lui, c'était, vous savez, comme ceux qui ont fait une guerre ensemble, ont fait un combat important dans la tranchée. Ça crée des liens. Et c'était des espèces de siamois, parce que la même fin de semaine où René Lévesque quitte le Parti libéral, Jacques Parizeau est dans le train pour Banff, puis il devient indépendantiste. Alors, ils ont un destin lié, ces deux hommes-là. Et Jacques Parizeau était la caution économique de Lévesque, et ils ont travaillé ensemble longtemps, et ça a laissé... chez Jacques Parizeau, un sentiment assez... Ouais. assez et c'est justement à ce rôle de soutien et de second, mais de second très important, que Jacques Parizeau doit son surnom de monsieur. Pourriez-vous nous l'expliquer brièvement? C'est né à la fin des années 70. C'est à la fin des années 70 qu'on commence à le surnommer monsieur. Et ça joue un certain rôle pour comprendre le rôle, justement, qu'il joue dans le premier gouvernement Lévesque. Oui, bien, monsieur, c'est le complet trois pièces, puis il faut se remettre dans l'époque qui ne permettait pas aux dames du cabinet d'avoir des pantalons. Hein, il fallait des jupes. Vous voyez le côté, puis bon, il y a une époque aussi. Mais... Et monsieur, donc, qui avait son quant à soi, qui avait... Jacques Parizeau avait... Il était difficile d'être ami avec Jacques Parizeau. Il créait les distances, à la fois capable d'une grande loyauté, vous l'avez dit, à l'endroit des idées, à l'endroit de certains hommes, mais un homme d'idées qui ne se laissait pas... il était dans les grands jeux et tout. Et d'ailleurs, ça a causé des problèmes avec les Québécois pendant un certain temps, parce que quand il est devenu chef de l'opposition officielle, beaucoup le trouvaient trop distant,
hautain et tout ça. Et ça a pris un certain nombre d'années. Puis à un moment donné, les Québécois lui ont fait confiance. Ils ont dit oui, ça sera notre premier ministre parce que lui, il va nous défendre contre Ottawa. Il y a des manœuvres constitutionnelles. Il y a un gouvernement là-bas qui essaie de diminuer notre capacité de grandir. Et ils lui ont fait confiance. Mais donc, le monsieur, c'est beaucoup l'État, la stature, qui est devenu avec le temps une espèce de côté de grand chevalier, plutôt comme distant. Oui, oui. Vous racontez aussi un voyage qu'il fait à la fin des années 70. Il est accompagné par son père et il va cueillir, vous dites-vous, les millions pour contourner justement le syndicat financier. Ça a été un voyage important et je pense qu'il en a imposé aussi. Oui, bien ça, c'est-à-dire que là, on parle bien sûr du ministre des Finances. Et quand le Parti québécois prend le pouvoir en 1976, bien sûr qu'un État doit se financer. Il y a des renouvellements à faire pour des prêts, pour la dette et tout. Et là, ça se ferme. Les portes se ferment à Toronto, à New York. On craint ce gouvernement, entre guillemets, communiste. Bon, il y a tout un climat. Et là, il va adopter l'approche du colimaçon. C'est-à-dire que il faut aller chercher l'argent loin de l'épicentre du séisme. Alors, on va à Düsseldorf, on va en Suisse, on va en Allemagne, on va à Londres, on va à Tokyo. Puis là, on revient à New York. Mais là, comme on a eu de l'argent partout ailleurs, bien là, hop, les coffres-forts s'ouvrent. Ben oui, donc si eux vous ont prêté, vous êtes fréquentable et tout. Alors ça, c'est l'approche du colimaçon. Et il en était très fier. Ça forçait même à diversifier les prêts et tout ça. Et il a réussi à atteindre son objectif. Et il avait beaucoup de succès dans les milieux financiers, de par à la fois sa stature, ses connaissances et sa capacité d'être excessivement crédible. On a parlé de sa démission. Il devient donc chef du Parti québécois en 1988. Son slogan est « Une idée claire du Québec ». Quand il devient chef du Parti québécois, l'option souverainiste est loin d'être à son apogée. Hein? Là, il envisage divers scénarios. C'est pas nécessairement l'élection référendaire qu'il envisage. Non, non, non. Quels sont les scénarios qu'il envisage quand il devient chef en 88, en plein triomphe du Lac-Meech? Ben, c'est ça. René Lévesque est mort. Les gens sont un peu désarçonnés. Pierre-Marc Johnson s'en va. Il n'est pas capable de survivre d'une certaine façon au décès de Lévesque. On veut ramener quelqu'un qui a les idées claires, comme l'a dit son slogan. Alors, Jacques Parizeau arrive. Robert Bourassa a réussi à négocier avec Brian Mulroney une nouvelle entente, l'accord de Lac-Meech, où on reconnaît des conditions minimales, 5 conditions, pour que le Québec puisse réintégrer la Constitution qui n'a pas été signée à l'époque de Trudeau. Donc, il y a une espèce de climat qui n'est pas très favorable là, au courant indépendantiste. Et il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'il prend la direction du parti, il y a des gens de Pierre-Marc Johnson qui croyaient en lui qui sont encore là. Donc, à l'élection de 89, c'est pas un référendum qu'il propose, ce sont des référendums sectoriels. Donc, ça pourrait être sur certaines problématiques. Maintenant, on sait pourquoi il fait ça. C'est que, comme il n'y a pas un contrôle total du parti, l'aile jeunesse, entre autres, est beaucoup contrôlée encore par des Johnsonistes, des affirmationnistes, parce que Pierre-Marc Johnson parlait de l'affirmation nationale, s'affirmait à l'intérieur du Canada. Donc, il n'y a pas encore le contrôle de toute la structure. La présidente du parti, Nadia Asimopoulos, va démissionner. Alors, ce n'est pas évident. Donc, les référendums sectoriels, c'est une façon d'arriver lentement à ramener l'article 1. Et puis, après 89, va ramener clairement l'article 1. Mais il y a une transition. Alors, ça peut surprendre des gens, mais ça s'explique. Et en 90, le Lac-Meech, c'est l'échec. Il y a une fièvre nationaliste. Et là, Jacques Parizeau... Il fait un geste, d'ailleurs, très fort, en tendant la main à Robert Bourassa. Oui, le 24 juin, là, je pense que c'est même le jour du 24 juin. L'échec du Lac-Meech, l'entente est consommée, ça ne fonctionne pas. Et là, Jacques Parizeau, au lieu de... Parce que là, le premier ministre du Québec est dans un état est faible, parce qu'il est rejeté par le reste du Canada, et il lui tend la main. Il dit, je tends la main à mon premier ministre. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon de redéfinir une nouvelle entente pour que le Québec sorte grandi? Et Robert Bourassa apprécie, puis finalement, ça va donner lieu à la commission Bélanger-Campeau, qui va étudier
des scénarios et qui va presque donner lieu, qui va presque amener le gouvernement libéral de Robert Bourassa à favoriser la souveraineté, mais ce ne sera pas le cas. Alors, le Jacques Parizeau qui devient chef en 1988 et le Jacques Parizeau qui devient premier ministre en 1994, entre-temps, c'est un homme déterminé. Tout le monde lui reconnaît ses compétences, son intelligence, sa culture, sa force de caractère. Mais plusieurs murmurent qu'il ne passe pas. Vous l'avez évoqué rapidement, oui. Mais ça revient constamment. Et quand on voit même les images du Jacques Parizeau de 88 et celui de 94, on voit que, ne serait-ce que par son image, il a évolué, il a changé. Que s'est-il passé entre les deux? Et comment s'est-il adapté à cette facette de la politique qui n'était pas évidente pour lui, pour cet homme très cartésien, comme vous l'avez dit, passionné, mais cartésien aussi? Oui. Bien, écoutez, les Québécois ont appris à découvrir le personnage. Lisette Lapointe et son épouse ont travaillé aussi pour le rendre un peu plus flexible, hein, publiquement. Ça a fonctionné. Cependant, il a gardé, il ne s'est pas dénaturé. Parce que vous savez, si vous essayez de mettre un veston sport à quelqu'un... Oui, vous racontez pas, là, qu'on veut lui faire mettre des... de jeans à Jacques Parizeau. Oui, c'est ça. Vous racontez qu'on veut lui faire mettre des cols roulés à un moment donné. Et puis ça, ah, ouais. Ça marche plus ou moins. Mais ça, on a fait ça. Imaginez, c'était à l'élection 73. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché beaucoup. Mais alors, il a gardé quand même son authenticité. Mm-hmm. Mais Jacques Parizeau n'avait pas nécessairement... C'était pas l'homme des slogans. Pourtant, il a trouvé souvent des formules. C'est à lui qu'on doit la formule s'auto-plure de bananiser. Hein, Alors, mais ce n'était pas l'homme où il était toujours très à l'aise avec les scrums et tout. Et quand vous voyez aujourd'hui que c'est encore plus rapide, il faut faire une nouvelle à l'heure. Là. Alors ça, c'est un peu... c'était difficile pour lui, mais il a appris par la force de ses idées, par la persistance. Les Québécois savaient où était Jacques Parizeau, savaient qui était Jacques Parizeau. Et à un moment donné, il y avait une stabilité, il y avait une confiance qui s'établissait et un contexte politique qui lui a été très favorable. L'échec du Lac-Meech, et ça, Jacques Parizeau l'avait dit à certains de ses conseillers, dont Jean Royer, Hubert Thibault, qui s'énervait un peu quand il y a eu l'entente de Meech, puis il se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une entente, il dit, fiez-vous au régime canadien, ça va foirer, ils vont nous démontrer encore une fois... Ils vont nous démontrer encore une fois qu'ils ne peuvent pas accommoder le Québec parce que c'est dans la nature du régime. On est 25 à l'époque, 25-26 % aujourd'hui 23 % on est trop peu et le régime ne peut pas accommoder le Québec, mm-hmm. d'autant plus qu'on a une culture très différente. Mm-hmm. Alors, quand il devient premier ministre, septembre 1994, le résultat n'est peut-être pas celui qui était espéré puisque l'année précédente, le Bloc avait raflé, hein, fait une belle victoire, une grosse percée, 49 % des voix, alors que 44,5 %, quelque chose comme ça, en 1994. Mais il a une sorte de détermination de faire, il le dit, il le répète, il y aura un référendum le plus tôt possible. On a l'impression, à vous lire, c'est très frappant, que sans Jacques Parizeau, il n'y a pas de référendum en 1995. Moi, je pense que vous avez raison. Premièrement, gagner à 44-45 %, on en rêverait aujourd'hui. Hein? Je vois ce chef-là, moi. Là. Mais, comme quoi le contexte change. Hein? Oui, absolument. Jacques Parizeau dit qu'il y aura un référendum 8 à 10 mois. Il faisait ça, 8 à 10 mois après la victoire. Et ce sera sur un pays. Voulez-vous un pays en date de... Bon. N'oubliez pas la devise du Collège Stanislas, « Sans peur et sans reproche ». Puis c'est un casque de chevalier, en plus. Le chevalier n'a pas peur. C'est pour ça, moi, le tome 1, c'est le croisé. Le croisé embarque sur sa monture, puis il va se battre pour sa belle, puis il va aller faire tomber les murailles et tout ça. Mais pas tout le monde autour de lui est comme ça. Des gens dans son conseil des ministres voient les sondages, commencent à être nerveux. Lucien Bouchard, le Bloc québécois, ils sont nerveux. Même M. Landry, qui est là, qui est vice-premier ministre, lui dit il ne faut pas aller faire la bataille. La brigade légère en Crimée. Voilà, fait une référence historique. Alors, les gens, normalement, il y avait un référendum au mois de juin 2015, mais les conditions ne sont pas favorables. Puis, Lucien Bouchard impose une espèce de virage. C'est-à-dire, il faut faire. Ce ne sera pas une question d'indépendance, ça va être sur un partenariat économique et politique.
Et Jacques Parizeau accepte parce que, avec son entourage, il voit bien qu'il y a besoin de Lucien Bouchard, qui est devenu presque une icône entre-temps, parce qu'il a eu une maladie très grave, amputé la jambe, il devait mourir, a survécu. Et c'est un personnage très attachant que les Québécois aiment bien. Donc, il faut qu'il compose avec une réalité et il sait qu'il faut qu'il amène d'autres gens. Et c'est drôle parce que les gens disent « Ah, René Lévesque ralliait tout ça ». Bien, le référendum de René Lévesque, là, il l'a fait avec très peu de partenaires en 80, alors que Jacques Parizeau a fait un référendum avec plein de partenaires, dont finalement une entente avec le Bloc et l'ADQ de Mario Dumont. Et vous aviez les groupes communautaires. Françoise David était du regroupement à cette époque-là, Fédération des femmes, tout. Il y avait même les religieuses pour le oui. Écoutez, il y avait une panoplie... Un front large. J'avais réussi à recruter les scouts aussi? Ou... Certains d'entre eux, oui. Alors, donc, fait des compromis, mais s'assure toujours que, par exemple, s'il y a un partenariat économique et politique, il dit il ne sera pas conditionnel. C'est-à-dire, on va, si les Québécois votent oui pour un partenariat, on va le négocier avec le Canada pendant un an, ce partenariat. On partage certaines institutions communes. Mais si on ne s'entend pas, ben, on proclame. Ça, c'était une des règles parce que Jacques Parizeau avait bien vu que la souveraineté association de l'évêque de 80, on dit on fait une entente avec le Canada et que votre statut est lié à l'entente avec le Canada. Trudeau a dit non. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Il y avait une espèce de voie sans issue. Alors, il a quand même, puis je dirais le geste extrême, généreux, qui démontre à quel point l'homme est capable... de faire des choses pour une idée, de poser des gestes, c'est que pendant la campagne électorale, à un moment donné, Jean Royer, son chef de cabinet, lui dit « Monsieur, il nous manque quelques points, il faut faire passer Lucien Bouchard, il faut qu'il devienne négociateur en chef, qu'il soit très actif dans la campagne, et ça va nous aider. » Alors, Royer lui-même est hésitant quand il lui dit ça, parce que quand même, de dire au premier ministre « c'est le combat de votre vie », et on va mettre un chevalier plus beau que vous devant, qui va faire l'avancée, puis vous devrez être peut-être un peu plus en retrait. Et Jacques Parizeau accepte. Et ça, il n'y a pas d'exemple. En tout cas, dans la politique québécoise, là, on recule, il n'y en a pas d'exemple. Il le fait à un moment crucial, parce qu'il sait, le stratège, que ça va permettre de gagner, enfin, il l'espère, et il s'assure de... garder l'ensemble du contrôle du jeu, mais il y avait quand même là un geste risqué pour lui et généreux. Et dans les faits, ça a contribué aussi à rendre la lutte très, très chaude. On a bien documenté le fait que, et vous en êtes, qu'il était vraiment prêt. C'est-à-dire que si le oui passait, il avait vraiment le chemin était tracé, il avait bien préparé les lendemains d'un oui. Le matin du 30 octobre, vous avez vraiment bien étudié cette journée-là, vous avez interviewé beaucoup de gens. Le matin du 30 octobre, pense-t-il qu'il va gagner? Oui, la journée évolue et les chiffres sont très bons. Et même Jean Royer, son chef de cabinet, qui est toujours un peu sans sourire, sur la retenue, ont des chiffres, puis ils disent oui, on va l'avoir. Ça va être serré, mais on va l'avoir. Et c'est ce qui a dû être particulièrement dur pour lui. Les autres, bien sûr, mais là, on parle de Jacques Parizeau, parce que le soir, il a cru voir le pays. Il a pu l'enlacer pendant peut-être une heure et tout. Et tout ça s'est évanoui. Alors, on imagine la douleur, parce qu'il a, et ça lui a fait très mal. Il est en colère ce soir-là. On l'expliquait tout à l'heure, quand il gagne, il gagne, et quand il perd, il est de mauvaise humeur. Mais d'autant plus que la victoire était à portée de main. Le pays était là. Alors, le croisé a vu sa belle, mais elle s'est enfuie malheureusement. Et ça a été particulièrement difficile pour lui. Et ça a donné lieu à un discours où il a improvisé, il a fait parler son cœur, mais un peu de colère. Et des gens ont critiqué, bien sûr, ouais, certaines phrases. Pierre Duchesne, vous l'avez rencontré 55 fois, dites-vous. Ouais. Vous avez tout ça sur bobine. Oui. Durant ces 55 rencontres, est-ce que vous avez senti à un moment qu'il regrettait d'avoir été si loin dans sa colère, justement? Il y avait une sorte de regret où il se disait, ouais. C'était pas ma meilleure. Ouais.
Oui, mais Jacques Parizeau n'est pas l'homme des regrets. Là. Sans faire des grandes confessions. Il aller piler sur ses remords. Non, il trouvait que les Québécois étaient le fond de catholique, là où on flagelle. Il n'était pas trop comme ça. Il n'aurait pas fait ça publiquement. Il fait ça avec vous. Oui. Pendant 55 fois où il vous rencontre, vous avez développé un lien avec lui. Est-ce que vous avez eu un sentiment à un moment où il vous a dit, c'est à refaire, j'aurais fait ça un peu autrement? Il dit à un moment donné qu'il y avait des façons de dire les choses peut-être autrement. Mais il se reprend vite en disant les Grecs, les Staniers, les Juifs, les trois chefs de trois associations avaient fait une sortie, une prise de position politique. Alors, c'est à eux qu'ils s'adressaient, à des gens qui avaient joué un geste politique. Mais le soir d'une victoire comme ça, il y a un chef de parti, il y a un indépendantiste et il y a un premier ministre. Et là, il y a eu le militant est revenu parce que il voyait bien aussi la fin pour lui d'un combat qui se terminait sur une défaite. Et il voulait briser ce cycle des défaites. C'est un homme qui est passionné d'histoire, a vu plusieurs moments difficiles, et il dit, il faut briser cette roue de l'infamie, là où on va briser ça. Et là, il voyait qu'il était, d'une certaine façon, il se trouvait à contribuer bien indirectement à ça. Alors, ça le mettait dans tous ses états. Et qu'est-ce que vous voulez? Sous l'armure du chevalier, il y a des émotions puis il y a une passion. Bien sûr. Et Jacques Parizeau est un passionné. Il était intègre dans ses idées. Et puis, il voyait bien que pour la suite, ça allait être difficile et tout. Mais il y a cru jusqu'à la fin. Et puis, il a laissé là-dessus un héritage dans la façon dont il avait organisé son référendum. Mmh. Écoutez, il y avait un texte de préparé à Paris. À l'Élysée, où on reconnaissait le vote et tout, ça avait été préparé. Il y avait une forme, non pas de reconnaissance de l'indépendance, parce que ce n'était pas tout de suite, mais de geste. Et ça, il y avait une tournée ensuite au ministère des Finances où on allait rassurer les investisseurs. Tout était prêt. Tout était prêt. Quand on va parler de Jacques Parizeau dans 100 ans, quel est son plus important legs, selon vous? Bien, je pense que la caisse de dépôt va demeurer quelque chose d'important. Je crois que nous serons un pays, donc il aura contribué à ça. Et je pense que la noblesse de l'action politique, la grandeur des idées, l'intégrité d'un homme va rester. Il y aura cette image magnifique de ce grand homme qui aura tout donné pour les siens. Merci beaucoup, Pierre Duchesne. Merci.